Exercice numéro 1 pour sculpter les fessiers. Allongez-vous en plaçant une serviette sous le ventre. Prenez votre complexe et pressez sur Start. Mettez votre front sur les mains. Commencez à faire des petits battements pendant la contraction. Relâchez. Les jambes sont bien tendues. Et faites des petits battements. Serrez bien vos fessiers. Pendant l'exercice, pensez à rentrer le ventre. Allongez les jambes, petit battement. Serrez le ventre. Gardez la contraction. Et relâchez. Allongez vos jambes, petit battement, sans creuser le dos. Allongez la nuque. Relâchez. Prenez votre complexe. Augmentez l'intensité au maximum supportable. Montez, 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 montez. Et petit battement. Relâchez. Ventre rentré, allongez votre nuque, serrez votre ventre. Et respirez. Sentez la contraction dans les fessiers. Bravo, résistez. Augmentez l'intensité pendant la contraction au maximum supportable. Prêt ? Montez, 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 montez encore. Relâchez. Serrez le ventre et donnez un maximum d'intensité, des petits battements dynamiques, les jambes bien tendues. Encore, continue, continue, c'est bien. Et relâche. Une dernière contraction. Préparez-vous, dynamisez les jambes et petits battements en serrant le ventre. Encore, encore. Décollez un peu les genoux et relâchez. Bravo. Exercice numéro 2. Depuis la position allongée, relevez le bassin pendant la contraction. Et relâchez. Prenez votre complexe et pressez sur Start. Pendant la contraction, relevez le bassin et maintenez la contraction. Relâchez. Montez le bassin. Rentrez le ventre et sentez la contraction dans les fessiers.
relâchez. Gardez les pieds bien à plat sur le sol. Décollez le bassin. Maintenez la contraction. Relâchez. Augmentez l'intensité lors de la prochaine contraction jusqu'au maximum supportable. Prêt ? Montez, 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 montez encore. Et relâchez. Détendez bien la nuque pendant l'exercice. Sentez la contraction des fessiers. Poussez dans le sol avec le talon. Expirez, décollez le bassin. Rentre le ventre. Détends la nuque. Sens bien la contraction des fessiers et relâche. Augmentez l'intensité lors de la prochaine contraction. Montez le bassin et montez, 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 encore jusqu'au maximum supportable. Et relâchez. Restez. Sentez la contraction dans les fessiers. Rentrez votre ventre. Relâchez vos épaules. Une dernière fois. Mettez un maximum d'intensité dans la contraction de vos fessiers. Allez, on garde bien la position. Bravo, on tient, on tient. Et relâchez. Vous pouvez prendre un ballon ou mettre une serviette entre les genoux. Posez vos pieds. Décollez le bassin. Vous allez presser contre le petit ballon. Une pression constante. Et relâchez. Décolle le bassin. Faites des petits mouvements de pression. Presse, presse, presse. Encore. Écrase le ballon. Très bien. Et relâche. Décolle le bassin. Contracte très fort les fessiers et presse sur le petit ballon. Encore. Encore. Monte un peu plus les fessiers. Encore. Presse, presse, presse. Très bien. Continuez à presser sur le ballon. Concentrez-vous sur la contraction des fessiers. Bravo. Augmentez l'intensité au maximum supportable. Et montez, montez, encore, augmentez l'intensité. Plus, encore, encore, encore. Bravo et relâchez. Décollez le bassin et restez dans une pression constante.
pressez constamment sur le ballon. Encore, vous voulez l'écraser, ce ballon. Serrez vos fessiers. Respirez. Et relâchez. Une dernière contraction. Inspire au départ. Expire, décolle les fessiers et pressez constamment sur le petit ballon. Gardez la contraction. Encore. Encore. On tient. Bravo. Et relâchez.